Bienvenue sur Channel pour moi plus sans. Je dis à nous arriver dans la dernière partie vidéo que nous avons fait en série. Et système, combien qui inverter a besoin, combien de batterie a besoin, qui ont calculé tout le bagage vidéo à un petit l'homme. Mais vidéo aujourd'hui, qui c'est la dernière partie vidéo, qui régulateur a besoin pour charger 6 batteries 225 Ah 6 volts. C'est une vidéo en série ou même qui part ouais vidéo qui tombe sur vidéo ça pour première fois c'est de ça que nous même nous a parlé là nous capable moins gain 8100 Wh et bien c'est 6 batteries ça batterie en ampère heure que vous venez convertir pour bail et bien en fin de vidéo nous avons une idée tout qui a fait un rappel de tout ça que nous même nous te fait et bien nous te ouais vidéo qui t'est passé vidéo précédente qui t'est montré nous et c'est 1200 watts panneau qui a chargé 8 batteries hydrogène qui égale à 8100 watts-heure. Eh bien, nous pouvons calculer qui régulateur qui est capable de charger 6 batteries hydrogène. Mais charger 6 batteries hydrogène, c'est sans courant de ville, sans courant EDH. Ça veut dire que vous mettez déconnecté ça que le courant EDH dans la caillou. Eh bien, pour marcher tout système ça que nous te mettons, ou bien c'est pas nous ça qui charger 8 batteries, c'est régulateur nous qui a chargé 8 batteries, nous après combien d'heures de temps il a chargé. Eh bien, nous après répondons aux questions tout, dans la fin vidéo, c'est deux questions que nous après répondre. Première question qui nous après répondre, qui est capable de mettre 6 batteries hydrogène en 24 vols, 6 vols. Pour le bord 24 volts. Deuxième question, mon nom dit, dans le système à parler, pour qui ça ne pas parler de pertes au niveau de panneau solaire, pour qui ça ne pas parler de pertes au niveau des régulateurs, pour qui ça ne pas parler de pertes au niveau de batterie, lui ne pas parler de ça. Vraiment, qui ne pas parler de pertes. Mais nous parlons ça dans la fin de vidéo, je réponds nous. Ok? Et on nous aller exactement pour nous capables d'entrer, nous connaissons moi-même. Je vais commencer, je vais pas rentrer dans la partie pour finir dans la partie. Mais après ça, nous allons un système 24 volts. Mais le système 24 volts, on n'est pas fait en 3-4 vidéos, on l'a fait dans une seule vidéo. Je vais prendre 3-4 vidéos juste pour être capable d'expliquer nous pour nous comprendre bien. Ok. Là, je vais gagner. Là, nous capables de gagner. Panneau solaire, 1200 watts panneau solaire. Pas oublier le système ça que nous avons fait là. Nous avons un inverter qui est 12 volts, 1500 watts. C'est un système 12 volts. Pour nous capables de comprendre. Ok? Eh bien, qui régulateur que nous-mêmes nous avons besoin pour charger la batterie ça? Ok? Exact, qui ça nous pourra le faire? Nous gagnons 1200 watts panneau. Eh bien, 1200 watts panneau, eh bien, l'on gagne watts pour jouer en paix. Songez que moi t'ai montré nous déjà. Nous avons dit, c'est watts divisé par vol. Eh bien, pour me jouer combien en paix qu'on y a là, m'a besoin, m'a dit c'est 1200 watts panneau, moi gagne, m'a divisé par 12. Songez que me démontrer nous parce que régulateur son régulateur 12 volts. Si me un régulateur 24 volts, nous avons divisé le par 24. Nous après ça dans l'autre vidéo les moyens à faire pour un système 24 volts avec nous. On pas rentrer dans trop de détails pour nous comprendre. OK. À nous aller m'a dit c'est 1200 divisé par 12 qui a également 100 ampères. Eh bien, s'il est égal à 100, là exact, il dit moins besoin d'un régulateur de un régulateur 100 ampères. Et nous connaissons un régulateur 100 ampères, c'est pas un bagage qui est assez facile. Mais si le système nous dit un régulateur 100 ampères, comme le panneau solaire est capable bay rendement yo supposé bay la si gen jou pa gen en pile soleil pa gen trop soleil la nou te ka di nou te ka gen un régulateur de 100 120
120 ampères. OK? Pour ta gon régulateur 120 ampères pour le fournir ça que nous avons besoin. Eh bien, c'est langage ça mon la va dire là, moi prend le système là bon m'a besoin régulateur 100 ampères, moi choisis 120 ampères pour si tu as perte au niveau de courant tout ça. Eh bien, 120 ampères n'est pas assez facile. On 120 ampères, si nous t'app gardé là nous t'app joine un régulateur 120 ampères, mais les nous a choisi un régulateur, si nous choisissons un régulateur 100 ampères, est-ce que le régulateur 100 ampères est capable de supporter 1200 watts panneau? Nous capable de 1200 watts panneau au moins et un régulateur 60 ampères. 60 ampères car supporter de 700 à 900 watts panneau. De 700 à 900 watts panneau, ça dépend de compagnie qui fait ça dépend des marques là. Entre 700 à 900 watts panneau. Eh bien, si m'a pas acheté un régulateur de 120 ampères, un régulateur 120 ampères, 120 ampères qu'a supporté en 1300 entre 1500 watts panneau. M'a pas fiché pour nous capable un régulateur de 120 ampères capable supporter ça. Mais gen régulateur 120 ampères qui tellement cher qui arrive jusqu'à 400 dollars. Us un régulateur de 120 ampères mais gen régulateur m'songe m'té wè quelques régulateurs au moins qui ka payer dans 200 dollars américains un régulateur mais dans système nan ça nous pas passer loin de li nous connaît grand pile monde qui pa gen l'argent et gen moun tout qui pa mine pour charger 6 batteries li ka li konn pran régulateur 60 ampères li ka pran régulateur 80 ampères et bien système nan dit m'la comme ça. C'est ça que moi-même moi a besoin pour me faire, OK? Système nan dit moi-même c'est ça que moi-même moi a besoin pour me faire. Système nan dit m'a besoin régulateur 100 ampères ou moins un régulateur 120 ampères. Quand y a moi-même qui pas un régulateur ça qui ça me va le faire? Moi gain 1200 watts panneau. Moi pral prendre 100 ampères, m'a diviser en deux. Et bien m'a diviser en deux, moi ca prendre des régulateurs de 60 ampères. Eh bien, des régulateurs 60 ampères, ça, m'a voyé 60 ampères, ça, m'a voyé 600 watts panneaux sous yon, m'a voyé 600 watts panneaux sous l'autre. À tel point que si ou ta vle utiliser 60 ampères panneaux, 60 ampères régulateur qui prend jusqu'à 900 watts panneau sous table et ajouter l'autre panneau solide sous l'autre des régulateurs ou capable prendre. Eh bien, m'a montré nous après qui j'en nous capable mettre des régulateurs. Eh bien, si moi j'ai des régulateurs de 60 ampères pour me charger batterie ça, eh bien, qui ça me fait, m'a mettre des régulateurs ça, m'a mettre 600 watts panneau sur régulateur. 600 watts panneau sont l'autre régulateur pour le capable de charger. C'est ça qui est normal. Réglant, l'imandé, c'est comme ça pour faire. Les quantités watts panneau qui dépassent pour le régulateur, eh bien, ou divisez en deux. Là, le système s'alimente 100 watts panneau, eh bien, pour perdre ou capon un panneau 120 ampères. Ok, l'imandé 100 ampères, 120 ampères. C'est pas difficile. Du tout pour nous effacer tout ça, OK, pour nous effacer tout ça. Et ça c'est explication déjà. Si nous besoin 1000 pour nous besoin compte comment combien ampérage régulateur, on va dire c'est 1200, OK, c'est 1200 divisé par 12 parce que le système dans c'est 12 volts et bien cap bam 100 ampères, un régulateur 100 ampères. Au moins pour perdre dans le système, nous avons 120 ampères. Oui, ou avons un régulateur 120 ampères. Ou avons un régulateur 120 ampères. Si ou pas de régulateur 120 ampères, ou avons deux régulateurs en 60 ampères. Mais ça, c'est l'autre bagaille pour montrer qui sont capables de mettre deux régulateurs sur le système. Nous avons divisé ça en l'autre bagaille, en l'autre vidéo. Eh bien, exact, nous sommes capables de. Pour nous gagner, pour charger 6 batteries trop gens, sans qu'il n'y ait pas besoin d'aide courant, aucun courant EDH, ou a besoin un régulateur 120 ampères. Pour charger
8100 watts batterie qui égale 6 batteries Trojan pour charger li sans problème. On y a là, si me besoin connait combien temps, si me connait besoin combien heure batterie et régulateur moyen à charger batterie yo. Ça il y a valable pour tout chargeur que ou besoin connait en combien temps li a charger. Et bien qui ça moi pral faire qu'on y a. Ça moi pral faire qu'on y a pour me connait combien temps li même li a charger. Ça il y a c'est facile. Et bien plus que moi gagne 8140 ampères, régulateur moi combien ampères moi gagne 100 ampères qui ça me pral faire m'a dit c'est 100 multiplié par 12. C'est 100 ampères multiplié par 12. Ou bien, si et 120 régulateur, 120 ampères, m'a dit c'est 120 multiplié par 12. 120 multiplié par 12, qui a égal moins 1400. 120 multiplié par 12 a égal moins 1440. OK, 1440. Et bien qui ça me va faire qu'on y a là plus que c'est par batterie en besoin qu'on est combien temps la charge batterie m'a dit c'est 8100 watts m'a divisé li par 1440. OK, divisé m'a dit c'est 8100 divisé par 1440 qui a égal moins ensemble avec 5.25 au moins ou a besoin 5h30 pour un régulateur, pour me dire nous un régulateur 100 ampères pour charger 6 batteries Trojan qui égale à 3100 watts, la besoin 5h30 pour ou capable charger. C'est assez simple, c'est ampérage là cap multiplié par volant divisé par puissance batterie pour joindre exactement pour joindre. Si tu as mis la formule là encore, on est toujours montré nous. M'a dit c'est 120 ampères multiplié par 12 qui a égal moins, et bien 120 ampères multiplié par 12 qui a combien l'été également encore. OK, on est capable de prendre encore 120 multiplié par 12 qui a égal moins 1440. OK, m'a dit c'est 8100 divisé par 1440. 8100 divisé par 1440 cap égal moins, mais 15h30 cap égal moins 5h30, au moins de 5h30. C'est comme ça que ou ouais quantité panneau que ou même ou a besoin de faire avec nous. Et bien pour qu'on ait qui régulateur que ou même ou a besoin, c'est watt là cap divisé par vol batterie, et bien qui a baou ampérage. C'est ça seulement tout le monde. Nous va arriver pour nous un système dans qui qu'on y a. Nous passer dans première vidéo pour nous faire rappel exactement tout ça nous t'a fait pendant tout jour yo, nous t'a pris ensemble avec moi. Et bien ça moi fait là avec un chiffre, moi choisi un système pour me faire. Ou même les waffle ou remplacer par chiffre par et ou même qui compte leur rivé caï mon nom bien la car qui j'en va contrôler. OK, pour moi prendre pour me t'a dit comme ça pour tout système ça net. Deux télévisions, 6 lampes, 5 téléphones, un ventilateur, un réfrigérateur. Eh bien, moi, bay tout watt, un seul appareil,
c'est quantité appareil yo, ça c'est appareil yo, ça c'est watt, un seul appareil, c'est puissance nominale, puissance totale, ça c'est puissance de appareil. Et bien ça c'est nombre de yo fait ap marché, et bien ça c'est watt chaque grain appareil consommé. Et bien ça c'est tout ça yo net qui vient égal ensemble avec 3960 watts. OK? Et bien nombre de consommation totale là qui vient également en total qui vient également ensemble 686 watts. En total combien nombre d'heures si on calcule combien nombre d'heures son bagage que me déblier a fonctionner c'est son bagage que me déblier tout nombre d'heures là, OK? OK? OK, nous on calculer ça pour nous nombre d'heures yo. OK, ça c'est en consommation journalier yo, ça c'est nombre d'heures. OK, qu'on y a là pour tout système ça marcher. Nous est tout déjà et bien nous te calculer que nous avons besoin d'inverter 1500 watts, nous avons besoin 6 batteries de 225 ampères, panneau solaire nous avons besoin 1200 watts panneau solaire nous te wè dans système dans qui gens pour nous calculer panneau solaire, nous te wè qui gens nous capable connait quantité a nous besoin bien pour nous connait qui inverter nous besoin, c'est tout schéma ça pour nous passer pour nous connait quantité batterie ou quoi qu'on ait pour besoin pour égal avec ça, eh bien c'est schéma ça ou passer pour qu'on ait quantité batterie. Eh bien quantité panneau c'est 1200 watts panneau ou même moi besoin pour régulateur, c'est vidéo que nous là dans là, eh bien qui vous montre OK ou besoin un régulateur 120 ampères. Eh bien nombre d'heures système là prend pour le full net, régulateur prend pour le full, 6 batteries là prend 5h30. Moi espérer nous tout nous comprendre partie ça. Eh bien pour nous comprendre très bien, eh bien nous capable chaque grain batterie c'est 225 ampères. Les nous met batterie en série, vol là augmenté et puis ampérage là il rete même batterie ça yo, c'est 6 vols batterie ça yo yo même, c'est batterie 6 vols. Eh bien nous avons besoin 3 banques batterie et la pégale 6 batteries. Eh bien l'on mette yo ou quoi besoin 3 banques batterie comme si cap égal avec 3 batteries 12 volts. C'est comme ça système là. Eh bien première question m'a répondre moun qui te poser moi moun n'a posé pour qui ça moi pas parler des pertes dans système là. On prend première raison hein, les moun a contrôler ou contrôler perte au niveau de inverter. OK? Les moins te régler toute quantité watt apparemment te vinn gen besoin, li te vinn bon 686 watt. Eh bien, l'aime passer par formule par 25% de rendement inverter, eh bien, li te vinn bon que moi t'a besoin inverter de 800 combien watt en quoi? 800 combien watt. Si me besoin inverter me prend pour inverter de 1500 watt, si me besoin 800 watt, moi pour inverter 1500 watt. Eh bien perte moins tab jeune dans inverter li tout rentrer. Par contre si nous comprenons. M'ba calculer perte dans inverter encore parce que si m'te besoin inverter 800 watts ou bien 850 watts, moins pour inverter 1500 watts, eh bien m'ba besoin calculer watt au niveau de inverter. M'ba besoin calculer perte au niveau de inverter parce que moi getan rentré li là-dedans. Eh bien, n'a parlé de batterie, mon n'a parlé, il parlait de perte au niveau de batterie. Ça veut dire que lui ou même pas parler de perte au niveau de batterie. Eh bien, pour système ça, ou moi dit moi besoin 6 batteries. Pas oublier, moi besoin moi gain 3960 watt-heure, c'est lui même tout qu'à la consommer par jour. Eh bien, si déjà 4 batteries égale moi 450 watts en ampère, vinn également 5400 watts. 5400 watts pour le marché 3960. L'ap déjà marché. Si m pa besoin calculer perte là-dedans. C'est si moi te joindre li, li te proche avec li te 4000 4200 les ça m capable calculer perte pour m'augmenter. Si m déjà gen 4 batteries qui ka marché système moi
pour un jour sans problème, même dans demain si Dieu veut, nous pas bien problème, et bien moi te calculer avec nous 6 batteries, c'est pour me ca marcher 3960 watts là pendant 2 jours. Donc, pendant 2 jours et un jour et quelques ça va dépendre de l'utilisation. Et bien, moi pas ca parler de perte au niveau de panneau solaire encore là parce que l'aimerait ouais qui combien watts panneau solaire m'a égal, moi t'ai joine 1157 watts panneau solaire. Eh bien, l'aime t'ai joine moi t'ai besoin 1157 watts panneau solaire, eh bien moi mettel à 1200 watts panneau solaire. Si m'mette 1200 watts panneau solaire, l'aime m'a fait système là avec nous, moi pas besoin à calculer perte ensemble avec nous. OK? On mette pour régulateur, l'aime moi fait système pour moi qui régulateur m'a besoin pour me charger 8000 100 watts heure batterie, moi ouais moi t'as besoin régulateur de 100 ampères. Si m'a besoin régulateur de 100 ampères, cause les systèmes nan m'pas utiliser mot perte, moi dit eh bien si pas gen soleil pendant jour ou bien soleil n'a pas levé pendant jour, nous pas prend 100 ampères, nous prend 120 ampères. Eh bien si m'prend 120 ampères, m'pa ka parler de perte encore là. M'espérer nous tout nous comprendre parce que gen en pile moun système professionnel yo par exemple fait un coup égaré aller valer yo canez ou bien non qui porte magasin yo mette technicien pour ça faire comme sou pas comprendre dit moi besoin un inverter 24 volts pour marcher tout ça m'gen la caméra ou bien dit combien batterie ou besoin ou après y a dit ou besoin tant batterie tant panneau mais qui régulateur ou même ou besoin yo pas contrôler perte là avoir quantité batterie yo contrôler avoir là yo tout font sel. On sel, yo compte tout bagay net, yo fait on sel mathématique pour yo mettre tout bagay en dedans. OK, moi espérer nous comprendre ça. Et bien, m'a répondre avec question moun ki te pose. Moi moun nan te pose s'il veut mettre 4 batteries trojan en 24 volts qui j'en capable mettre en 24 volts. Eh bien, pour mettre 4 batteries 6 volts en 24 volts, les faciles, si je suis capable de dire au moins ça fait 1 batterie, ça fait 2 batteries, ça fait 3 batteries, ça fait 4 batteries. Il y a des gens qui ont mis. Si je suis prendre de partie ça, je suis dit ça, c'est plus. Je fais là ça pour me comprendre. Eh bien, je prends au noir. Eh bien, me dit c'est moins. Eh bien, si je voulais mettre batterie, ça m'a pris un câble pour m'accompagner pour le bon 24 volts. Eh bien, qui ça m'a dit? M'a dit c'est plus là qui pour aller dans moins là. C'est moins ça qui pour aller dans plus là. C'est ça qui pour aller dans ça. Eh bien, dans tête ça, m'a vin gagner là. Là. Eh bien, m'a vinn gagner. Fil ça sorti là, eh bien m'a dit c'est 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ça bam 12, 12 et 12 ça bam 24. Mais gen l'autre façon que ou même ou capable mettre li encore. Mon cap dit moi gagner 4 batteries de 6 volts, mon cap dit moi gagner 1, moi gagner 2. Moi gain 3, moi gain 4. Et bien qui ça m'ka fait là? M'ka dit moi gain plus. OK? OK, moi gain moins. Moi gain plus. Désolé. Moi gain plus et puis moi gain moins. Et bien si m'prend plus là ensemble avec moins ça là 6 vol. OK, si m'prend plus là, OK? Et puis moins prend moins ça là, m'ai déjà gain dans mi-temps ça là qui pral bam 12 volts. OK? Moi là qui pral bam 12 volts, et bien qui ça m'a fait dans même batterie ça plus que m'te mette plus dans là m'a commencé par là encore m'a mette plus excusez m'a mette plus
m'a metté moins. OK, ça a commencé, pas bon service. M'a metté plus. OK, m'a metté moins. M'a metté moins, OK. Et ben m'a metté plus. Et bien qui ça va le faire là? M'a pris un cap pour me raccorder moins ça ensemble avec plus ça là ça pas plan quoi. Et bien qui ça m'a fait m'a raccorder ça avec ça. Et bien m'a gagné moins ça qui vient sortir là qui a ban moins 24 volts. Et bien tout système ça ban moins 24 volts. Et bien là exactement là c'est si ou vinn gen ou gen espace. Là on pas gagne pile espace, là grand pile espace c'est comme ça ranger batterie en. Et bien là pas grand pile espace c'est comme ça ou ranger batterie en. Ou dit c'est plus moins ou bien on raccorde des câbles. Maintenant système ça, a besoin 1 2 3 câbles. Système ça a besoin 1 2, c'est 3 câbles ou toujours besoin pour système ça. Quand y a la si vous voulez mettre batterie ça yo 6 en série 6 en parallèle, m'a toujours fait même gens. Toujours fait même genre, m'a mettre on batterie et puis on batterie ça so, on fait ça petit on capable gagner espace pour l'autre batterie en cas aller. OK, c'est même genre. Toujours dit plus et bien moins quand il y a la sac pour le passer là, on raccorde toujours même bien. On est capable de dire moins non plus, et puis, ok, so, on moins là. Ok, et même dit exactement moins non plus. Et bien, moins vingt gagner 24 volts là aussi. C'est 6 6 6 6. Et bien qui ça va le faire là, on va le prendre câble moins raccorder en mon câble plus là là. Et bien qui ça me fait moins raccorder câble moins là là qui ça me gagne moins vinn gagner 4 batteries ça en série 4 ça en série. Et bien 4 ça en parallèle, je viens gagner série parallèle. Eh bien, l'aime gagner là, moi gagner si me gagne batterie ça qui était 100 ampères par exemple. Si me gagne batterie ça qui était 106 volts, si me gagne batterie ça 6 volts 100 ampères, eh bien m'a tout les gagne batterie yo en série, m'a toujours gagne 100 ampères. Si je gagne 6 volts 100 ampères, quand je vais gagner 24 volts 100 multiplié par 2, je vais gagner 24 volts 200 ampères. C'est comme ça que les mêmes liens pour deuxième une question que moi-même moi à répondre. Mais espérons nous tout nous est clair. Si nous pas est clair, nous ca poser une question dans commentaire là et bien moi-même moi a montré nous ça dans une vidéo. Merci tout le monde qui t'a suivi vidéo et comme ça nous après pour une autre vidéo.